إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تقدم الله سبحانه وتعالى تويلوج والله سبحانه وتعالى نديكلو سولينيسيتي نوفاي لا بي بينيديكسيون لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن جهنم كانت مرصادا. الله سبحانه وتعالى الو بيغابيلنو فرون اسلام اي سيون اسلام un de ban l'encouragement d'une façon de parler, un de ban quelque chose qui est capable de motiver nous pour qui nous reste dans l'obéissance à Allah et nous reste loin avec désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, particulièrement dans le jour du Qiyama, ce qui plie effraie nous supposément inshallah c'est sa جهنم كي الله سبحانه وتعالى في كوزي دون سافيسي إن جهنم كانت مرصادا. En vérité جهنم le jour du قيامه لي pour attrape ban jimun. جهنم le jour du قيامه لي pour veja faire ban jimun, veja لي pour attirer ban jimun vers son entraille. Alors tout d'abord, Jahannam, frère en islam et sœur en islam, d'après nous, Aqidah Ahl-Sunnah wal Jama'a, c'est une création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jahannam, c'est une créature qui Allah subhanahu wa ta'ala fin crée. Sa créature qui Allah subhanahu wa ta'ala fin crée, alors lui quelque part, Allah subhanahu wa ta'ala connaît, quotidien nous pas connaît. Ban ulama fin jivyazi concernant kutsa Allah subhanahu wa ta'ala fin mit jahannam pour l'instant. Et na ban ulama jia ki jahannam li dans en dessous 7e la terre. On connaît qui est na 7 le ciel et na 7 la terre. Allah subhanahu wa ta'ala d'après ban ulama fin god sa jahannam ve jia en dessous sa 7e la terre. Et deuxième ban version ban ulama qui Allah subhanahu wa ta'ala fin god sa jahannam là-haut ban le ciel. Et troisième l'opinion c'est que Allah subhanahu wa ta'ala connaît ou pas connaît. Allah subhanahu wa ta'ala panjianu ni de Quran et ni dans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ce sunnah concernant place exacte qui Allah subhanahu wa ta'ala fait une place jahannam. Et sa troisième opinion là, l'opinion plus veut dire plus crédible. Mais dans hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'impression veut dire probabilité qui nous capable de dire l'impression qui nous gagne c'est que jahannam est dans les ciels. Mais quand ça dans les ciels, qui les ciels numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 5, 7, là-haut, Allah subhanahu wa ta'ala connaît, nous pas connaît. Mais probablement, les ciels, et la raison qui fait nous dire ça, c'est que
quand Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tient le mi'raj, alors il tient la visite Jahannam et il tient la visite Jannat. Et mi'raj, comme son nom même indique ça, c'est veut dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quitte la dunya, tient le vers les ciels. Il est visite premier les ciels jusqu'à septième ciel et ensuite il tient la visite Jannat et Jahannam. Donc, Jahannam, probablement, il est dans les ciels, mais côté ça, dans les ciels exactement, il est situé, Allah subhanahu wa ta'ala connaît et ne nous pas connaît. Ça, Jahannam, frère en islam et sœur en islam, Allah subhanahu wa ta'ala fin décrire certaines des subhanahu attributs du Coran, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aussi fin décrire certaines des subhanahu attributs dans sunna, dans hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les attributs, parmi les petites choses qui font de nous comme renseignements, parmi les informations qui nous font gagner, tout d'abord, que Jahannam existe actuellement. Il finit créer ça, il est là, quelque part dans les ciels. Allah subhanahu wa ta'ala finit créer. Et deuxième information qui est très importante pour nous, c'est que Jahannam, Allah subhanahu wa ta'ala, fin donne lui certaines bonnes facultés telles que les capables de communiquer. Jahannam les communique avec Allah subhanahu wa ta'ala, les causer. Et dans un hadith qui est rapporté par Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire Ishtakatin naru ila rabbiha. Qui Jahannam il fait complainte avec son Rabb, avec Allah. Il dit Ya Rabb, Omo Rabb, akalat ba'di ba'da. « Oh mon Rab, mon peut consommer une partie de moi, peut consommer une autre partie de moi. »« Fa'adhin alaha binafasayn. » Alors Allah subhanahu wa ta'ala fin permet-li pour essouffler, pour extraire depuis son entraille deux fois. « Nafasun fi s-sayf wa nafasun fi s-shita. » Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit « Une fois li pour extraire depuis son entraille pendant l'hiver et une fois pendant l'été. » Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire فَهِيَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَهُ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرْءِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. C'est quand nous gagnons plus froid au niveau, veut dire mondial d'une façon de parler, c'est un souffle qui vient depuis Jahannam. Et aussi pendant l'été, le moment qui fait plus chaud au niveau mondial, c'est un souffle depuis Jahannam, pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin mentionné. Qui veut dire, Jahannam à l'intérieur est une partie qui lui fait une fraîcheur, qui est une forme de punition, qui fait une fraîcheur qui lui veut dire, lui soulage le monde, mais de l'autre côté, il y a une autre partie qui est seulement la flamme. Jahannam aussi, frère en islam, c'est une créature qui est capable de transporter, il n'est pas fixe dans une place. Hadith Bukhari, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire qu'il peut amener Jahannam le jour du Qiyama devant la, veut dire, rassemblement qui peut être le jour du Qiyama. Quand Allah pour rassembler tout le monde, l'eau veut dire dans place de Hachar, Allah pour faire amène Jahannam. Waji'a bi Jahannam. Waji'a yawmaydin bi Jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala pour amène sa zoula, pour amène Jahannam. Et le hadith Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, peut dire Yu'ta bi Jahannam yawm al qiyamati laha sab'ouna zimaman. Sab'ouna alfa zimam. Qui pour amène, pour faire amène Jahannam le jour du qiyama. Et Jahannam, pour y en a 70 000 la chaîne. Wa ma'a kulli zimamin sab'ouna alfa malak. Et avec chaque la chaîne, il y en a 70 000 anges périssent. 70 000 la chaîne. Avec chaque la chaîne, il y en a 70 000 anges. Alors, alfa au calcul, 70 000 anges par 70 000 la chaîne. Vous voyez combien de milliards il fait. Pour bien servir tout ça, anges. Et anges, ce n'est pas comme nous, pas humain qui fait. Ange, c'est une créature qui est puissante. Mais besoin 70 000 anges pour chaque la scène, 70 000 la scène, pour capable amener Jahannam. Et Jahannam,
frère en islam et sœur en islam, l'icône différenciée entre un croyant et un qui pas croyant. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit inna jahannama kanat mirsadan lit-taghin. Veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala pour donner jahannam sa capacité pour faire différence entre, veut dire, celui qui fait obéir et celui qui fait désobéir. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit idha ra'awhum sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala peut mentionner dans le Coran quand Jahannam peut trouver, veut dire, ben qui peut venir de Jahannam, ben criminel, ben kafir, alors Allah subhanahu wa ta'ala peut faire mention qui pour l'enfer pour faire un son, veut dire avec colère, il peut crier, il peut gronder avec colère, pas seulement les fins trouvent ben qui prochainement peut venir dans son entraille, veut dire, Jahannam lui fait différence entre celui qui est bon et celui qui fin veut dire ou vin ban jahannami. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala fin mention de Quran qui jahannam ena plusieurs la porte laha sab'atu abwab. Jahannam ena sept la porte comme a fin mentionné de Quran. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire laha sab'atu abwab, ena sept la porte pour jahannam, alors que jannat ena huit la porte. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala fin mentionne nous qui dans Jahannam ena ban gardien qui Allah subhanahu wa ta'ala fin mette spécialement pour l'enfer. Parmi ban gardien, chef de ban gardien, parmi ban onze qui Allah subhanahu wa ta'ala fin mentionne zut pour zut attribut de Quran, malaikatun ghiladun shidadun. C'est ban onze ghilad, violent. C'est un ange qui peine en pitié, shidadun, qui puissant, violent et puissant, la ya'asoun Allah ma amarahum, et je n'ai pas désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah donne l'autre, je n'ai pas désobéi. Donc dans Jahannam, il y a un ange qui Allah fin créé spécialement pour, veut dire, entertainer d'une façon de parler, ban Jahannami. Veut dire pour sanctionner, pour punir, pour veiller aux tortures. Et là, ben ange parmi là-dedans, Allah subhanahu wa ta'ala fait mention chef de sa ben ange qui appelle Malik. Chef de sa ben ange qui peut dans Jahannam appelle Malik, comme Allah subhanahu wa ta'ala fait mention dans le Coran. Wa qila ya maliku li yaqdi alayna rabbuk. Et pour dire, ben Jahannami pour dire, oh Malik li yaqdi alayna rabbuk, qui Allah tuinu. Qui Allah termine nous. Alors, ça c'est certaines de bonnes informations qui Allah subhanahu wa ta'ala fait mentionner. Et aussi par une bonne information qui Allah subhanahu wa ta'ala fait mentionner qui Jahannam liena ban veut dire ban grade veut dire de profondeur. Pareil comme on peut descendre dans une mine, on peut descendre dans un tunnel veut dire ena. Tunnel veut dire premier étage, ensuite deuxième étage, ensuite troisième, les descentes de profondeur. Et là, ben, l'étage veut dire de profondeur. Combien l'étage est là, Allah subhanahu wa ta'ala connaît, comme Allah subhanahu wa ta'ala fait mention, fait référence à Saban l'étage, comme Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, dans Surah An-Nisa, Inna al-munafiqina fi d-darkil asfali min an-nar. Qui ban munafiq je peux dans darakat veut dire dans le langage arabe quand ban l'étage il défie depuis là où il descend en bas appelle ça darak veut dire darakat innal munafiqina fi darkil asfal qui dans l'étage veut dire soubassement plus bas veut dire dans plus bas l'étage de profondeur ça pour ban munafiqin. Alors ça c'est ban information qui nous fait gagner dans Coran. Et aussi, une de bonnes informations pour nous terminer l'osa, description bien brève concernant Jahannam, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître que Jahannam très très vaste. Jahannam très très vaste. Parmi les hadiths que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait mentionner pour faire nous gagner l'idée que Jahannam très vaste, qui est rapporté par Muslim, Sahih Muslim, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire, qui pendant que les disciples se sont sahaba, ils font un tapage comme si un objet très lourd
une tombée. Alors, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin demande sur ban sahaba, est-ce qu'ils ont connu qui était ça? Alors, ban sahaba fin dit, Allah wa rasuluhu alam. Allah avec son rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui connaît. Alors, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, c'était un russe qui Allah subhanahu wa ta'ala fin fait lancer depuis la haut jahannam et lui fin prend plus qu'il 70 ans pour lui descendre dans sa profondeur. C'est lui qui est capable de faire un petit calcul mathématique, il est capable de gagner l'idée. Il n'est pas capable de comprendre la grandeur de Jahannam. Il est capable de gagner une idée, veut dire très loin, mais assez convaincant, que si nous calculons un gros pied, un gros sein de la case, peut descendre, veut dire depuis une terre. Alors imaginez qu'il évite si vous descendez sa gros sein de la case. Avec 70 000 ans, 70 bonnes années, il peut descendre. Imaginez qui fondait Jahannam. Dans l'autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire que le soleil et la lune sont dans l'enfer. Mais qui grandit à l'enfer, vous avez été frère en islam et soeur en islam, pour qu'il soit capable d'accommoder le soleil et la lune. Pour qu'il soit capable d'accommoder le soleil et la lune. Donc, ça c'est Jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Kanat mirsadan. Qui sa Jahannam, il peut attraper, veut dire ban jimun. Veut dire qui les pourris sa banjimun, les pour attirer sa banjimun vers lui-même, et ça peut faire référence à As-Sirat, peut faire référence à sa pont qui Allah subhanahu wa ta'ala promettait le jour du Qiyama après qui Allah finit faire jugement banjimun. Quand Allah finit faire jugement banjimun, bizin passe l'eau un pont qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin mentionne. Sa pont là qui est plus fine qu'un brin cheveux. Et chaque djimoun pour passer l'eau là, d'après quantité bon action qu'il est fin faire. Et n'a pour passer l'eau là, d'après vitesse un éclair. Et n'a pour passer l'eau là, d'après une vitesse qui moins. Et n'a pour passer très lentement. Et n'a pour tomber là-dedans. Ban qui pour tomber là-dedans, ça même qui dans sa verset là peut faire référence à Zot qui. Allah subhanahu wa ta'ala ban ki Allah fin décret pour zot jahannam. Alors comment zot pose zot li pied sa jahannam, alors li pou tombe dans l'enfer. Et sa pont là li trouve suspendu là-haut l'enfer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala peut dire inna jahannam kanat mirsadan lit-taghin ma'aba. Pour ban taghin c'est une demeure. Pour ban taghin un taghin At-Tariya. Tariya c'est Banjimun qui fin dépasse limite. Banjimun qui fin dépasse limite. Parce qu'il y a un musulman, Allah fin met ban limite pour lui. Allah fin met ban limite pour un musulman. Dans son manger, boire, il y a une limite. Dans façon qu'il y dépense sur l'argent, il y a une limite. Dans façon qu'il y vive sur la vie, il y a une limite. Dans façon qu'il y distrait, il y a une limite. Dans façon qu'il y vive avec son prochain, il y a une limite. Il y a toute limite dans Allah subhanahu wa ta'ala se dit. Comment plusieurs fois nous faisons référence, nous faisons connaître que dans l'islam, très peu de choses qui sont défendues. Mais en général, Allah permet nous presque tout de choses, mais avec bande limite. Allah, dans l'islam, dans la façon qu'il nous peut vivre en tant qu'un être humain, dans nos manger, boire, dans nos laver, dans nos distractions, dans tout qu'une chose, Allah plutôt fin met ban limite, pas fin empêche nous. Et pas fin défendre nous, excepté certains items. Alors, sa ban limite, Allah subhanahu wa ta'ala, fin met nous en garde contre sa ban limite. Qui, par sa générosité, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa générosité, l'Ipan prive nous excepté certaines choses de la terre. Mais Allah, parce qu'il nous donne tes de la terre, il fait mettre ban limite. Comme Allah peut dire, wa tilka hududullahi fala taqrabuha. Ça c'est ban limite d'Allah, fala taqrabuha, n'a pas proche avec les limites d'Allah. Wa tilka hududullahi fala ta'taduha. Ça c'est ban limite d'Allah, n'a pas dépasse limite d'Allah, n'a pas transgresse les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ban tarin, c'est n'importe qui djimoun, c'est ban djimoun qui fin dépasse Allah sa limite.
qui veut dire Allah fait mettre une limite dans, par exemple, dans relation entre dix mounes, dans marier, comme il fait dire marier, les fait plus. Allah subhanahu wa ta'ala fait montrer qui bisait manger et qui conseille bisait manger, il dépasse limite. Allah subhanahu wa ta'ala fait concernant gérant sur l'argent, fait mettre une limite pour qu'il n'y pas bise dans les autres, il dépasse sa limite, et ainsi de suite. Alors, même dans ibadat Allah, Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre une limite concernant qadar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous connaissons Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la créature plus sacrée et plus spéciale qui Allah subhanahu wa ta'ala fait créer. Alors, sa créature, même pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a une limite. Qui limite? C'est que nous pas faire limite bon Dieu. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui-même fait montrer nous sa limite. Dans le hadith qui est rapporté par Bukhari, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire La tuturuni kama utturatin nasara Isa ibn Maryam. N'a pas dépassé limite dans moi, n'a pas exagéré dans mon personne, pareil comme un chrétien fait exagérer dans Isa alayhi salam. N'a pas exagéré dans mon personne, n'a pas dépassé limite pour moi, pareil comme un chrétien fait dépasse limite pour Isa alayhi salam. Ban chrétien, au lieu de finir prendre Isa alayhi salam, de finir de lui sauver jusqu'à la limite qui bizarre, il y a un humain, mais il y a un messager d'Allah. Mais il y a un débat, mais il y a un messager d'Allah qui ban chrétien, il fait une bon Dieu. Alors, pas dépasse limite, je dis. Donne-moi mon grade, mon valeur dans la limite qui Allah finit de moi. Fa innama ana abdullah wa rasulu. Parce que mon limite, c'est que moi, un esclave pour Allah et moi, son messager. Moi, un esclave pour Allah et moi, son messager. Donc, ban qui fait une dépasse limite, je ne pas seulement fait une dépasse limite dans la vie de tous les jours, mais je fais une dépasse limite dans ibadat Allah. Je fais une dépasse limite dans, veut dire, faire grade de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi dans la pratique de l'islam, ban qui fait une dépasse limite, Allah subhanahu wa ta'ala fait montrer nous nos limites dans ibadat, c'est que nous besoin reste dans la limite Quran et sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ban qui fait une dépasse limite, je fais une dépasse sa limite, je n'enlever l'innovation, je n'enlever bid'ah. Comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire, wa iyyakum wa muhdathatul umur. Fais attention, mon médecin en garde contre ban qui est chose qui nouveau. Fa'inna kulla muhdathatin bid'a. Parce que tout ban qui est chose qui nouveau, c'est ban innovation. Wa kulla bid'atin dalala. Et tout ban innovation, c'est l'égarement. Wa kulla dalalatin finnar. Et tout l'égarement amène vers l'enfer. Pareil comme ça même, ban dimon fin dépasse limite concernant Allah. Allah subhanahu wa ta'ala fin montre nous limite qui nous besoin. Veut dire vis-à-vis lui. Qui est Allah? Allah subhanahu wa ta'ala fait mention ça. Qul huwa Allahu ahad. Jazut ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qul jazut Allahu ahad. Allah li inik. Allah li en. Allahu samad. Allah li pas dépend de personne, li pas besoin de personne. Nous tout besoin lui. Lam yalid wa lam yulad. Ni li fin prend naissance, ni li fin donne naissance. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et personne va. Pas comparable à Allah subhanahu wa ta'ala. Dis-moi, il dépasse limite dans même, veut dire, vis-à-vis de position, vis-à-vis Allah, quand je finis de donner une madame, je finis de donner un enfant, je finis de donner une fille, chrétien finis de donner une madame, finis de donner Maryam alayhi salam, Allah loin de tout sa bonne imperfection. Mattakhadallahu min walad, wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah subhanahu wa ta'ala, ni finis pour un enfant, ni fin prendre madame et ni peine aucun partenaire avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, alors chrétien fin mette une madame avec lui, fin mette un enfant et ban mouchriki de Makkah fin mette ban ans comme ban chifi. Banatullah, ban ans, je fin dire c'est ban chifi Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, la sharika la. Allah ni peine aucun associé, Allah li unique. Donc, dans tout kit chose qui ban jimoun fin dépasse limite, alors ça veut dire que concerne les autres, les tarina ma'aba. Pour sa bande qui finit dépasse limite là, alors une demeure pour les autres c'est Jahannam. Ala inna Jahannam mathwal lil mutakabbirin.
الا ان جهنم مثوى للكافرين. Veut dire Jahannam c'est une demeure pour ban arrogant et ban infidèle, ban qui pas fin croire. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire les tagheen ma'aban labithin fiha labithin fiha ahqaba. Saban jimun qui parle dans l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala veut dire labithin fiha, je pourris là-dedans même. La bithina fiha veut dire je pourris là-dedans dans l'enfer. Ahqaban, ahqaban veut dire c'est une longue durée de temps. Veut dire une durée très longue. Alors, ban qui vaut dans Jahannam, il y a deux catégories de monde qui vaut dans Jahannam. Il y a une catégorie de monde de passage. Temporairement, il vaut dans Jahannam. Et il y a une autre catégorie de monde pour une longue durée. Celui qui pourtant temporairement dans Jahannam, c'est ban musulman qui fin faillir dans certaines ban qui choses et Allah pan disposé pour pardonner. Ban musulman qui fin vivre, je pas fin trahir l'unicité d'Allah, mais je fin faire beaucoup erreur. Je fin faire zina, je fin coquin, je fin faire zulum, je fin faire les autres choses, je fin dépasse beaucoup limites. Pour ce ban-là, il y en a parmi eux qui, Allah, pas pour d'accord, pour pardonner eux. Alors je ne parle pas de séjour temporairement dans l'enfer. Combien de temps Allah subhanahu wa ta'ala touche le coup? Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala ici peut dire, labithina fiha ahqaba, qui je pourrais cela dans pour une longue durée de temps, peut faire référence surtout à ban qui fin mot au kufr. Ban qui fin mot rebelle, je ne pas fin accepter Allah comme le créateur unique qui mérite l'adoration, je t'y connais, je ne pas accepter, je fin faire arrogant, alors ça ban là, je ne poil pas un long temps là-bas. Combien de temps? Des centaines d'années? Des milliers d'années? Alors ban ulama, ahl sunna wal jama'a, nous, ibadat, nous, aqida lola, c'est que quand un kafir fin rentre dans l'enfer, il n'a pas pour sortir à jamais. Quand un kafir fin rentre dans l'enfer, malgré qu'il Allah ghafourur rahim, malgré qu'il Allah li miséricordieux, malgré qu'il Allah lui-même li fin dire wa rahmatuhu sabaqat ghadaba, qui se pitié li dépasse ce colère. Mais Allah lui-même les fin dire dans le Coran qui pitié qui Allah ena dans akhirat li pas pour concerne ban de jahannam ban kafir, mais li pour concerne seulement ban croyant. Veut dire Allah subhanahu wa ta'ala veut dire dans le Coran qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al qiyamah, qui Allah so bienfait, so bienfaisance, so gentillesse li spécialement dans akhirat pour ban croyant. Alors qu'il au dunya Allah gentil vis-à-vis toute créature, vis-à-vis musulman, vis-à-vis croyant, vis-à-vis ban bon musulman, ban mauvais musulman, ban kafir, tout Allah subhanahu wa ta'ala gentil avec eux de façon qui besoin. Mais dans akhirat non. Alors comme preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala pas pour et n'a aucun pitié pour ban qui fin rentre dans l'enfer parmi ban kafir, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala fin fait nous connaître qui ban kafir fin essaye communique avec Allah, fin essaye plaint avec Allah. Parmi ban verset qui mentionné dans le Coran qui ban jahannami pujie avec Allah subhanahu wa ta'ala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarak. Alors fais-nous retourner Allah, l'eau la terre nous fait bon du monde. Allah subhanahu wa ta'ala, alors devant verset Coran qui fait mentionner le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Reste là même, n'a pas causé en moins quoi. Qui Allah fin dire, reste là dans même. Jamais Allah fin montrer aucun signe dans sa Coran qui li poutchia ban du monde qui fin mot comme kafir, li poutchia zot dans l'enfer. Pena. Pareil comme ça même. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans surah Zukhruf,
quand ban jahannami pe cause avec Malik verset 11 li yaqdi alayna rabbuka qala innakum makithun o malik je allah teminu tuinu eliminu malik pujie non au contraire je pourrais comme ça même veut dire peine aucune façon pour je sortir dans jahannam خالدين فيها ابدا بيجي كي الله سبحانه وتعالى فين جي از بوغي سلا دان ابدا بيجي بو طول لي تان بو لونغ دوري اي ان ان في سي قران كي بيجي في انو ديسكوشن لو لا تيرميني ان بلاس كي بينا اوكن لسبو بو جو سي كي الله سبحانه وتعالى بيجي ولا يدخلون الجنه بل كافر نا با بو ران دو جنات حتى يلج الجمل في سم الخياط اكسبت سي تي possible pour un chameau passe par un trou aiguille est-ce qu'il y a un chameau capable passe par un trou aiguille c'est pour montrer nous comment dire comment il est impossible comment il est impossible pour un chameau passe par un trou aiguille comme ça même il est impossible pour un kafir sortir de jahannam pour rentrer dans jannat et dans hadith bukhari rasulullah sallallahu alayhi wasallam dit dernier jimun qui pour sortir dans Jahannam dernier djimoun c'est un djimoun qui fin ena la ilaha illallah de solikea Allah pour dire al-rodé homme 11 de l'enfer qui s'en la ena de solikea une trace de iman pour le joindre un dernier là-dedans veut dire qui est une trace de solikea et dans l'autre version hadith là c'est que ce dernier djimoun li pou dire avec Allah subhanahu wa ta'ala mon n'est pas capable de dire moi Allah subhanahu wa ta'ala pou dire li et le hadith sali continue qui veut dire qui dernier djimoun pour sortir dans Jahannam c'est un djimoun musulman qui fait une mot avec tawhid dans ce l'équerre avec iman mais ben les autres ça qui est dans le Coran ça qui est dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam c'est qui déjà kafir s'il fait une mot li tu connais le dunya qui l'islam vrai Et tu connais qui Allah unique, et tu connais qui Coran peut cause vrai, et il a la chance pour apprendre sa dîne, mais seulement il n'est pas venu faire ses efforts, il fait une mort comme kafir, il pourrait rester dans l'enfer pour l'éternité. Ça c'est Aqida, ça c'est croyance, ban du monde qui peut suivre Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا alors comme une punition qui Allah subhanahu wa ta'ala fait mentionner qui n'a pas pour gagner ban nourriture et ban veut dire ban la boisson qui pousse sous la zone parce que normalement nous insan la terre quand nous gagnons faim nous manger ça soulage nous la faim veut dire qu'il nous pas veut dire nous pas affaibli Quand nous perdons faim, nous fatiguons, nous affaiblis. Quand nous mangeons, nous soulagons par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça même dans le chaleur, quand nous perdons soif, nous sentons faibles. Et ensuite, quand nous boivons de l'eau, veut dire frais, nous soulagons. Mais Allah subhanahu wa ta'ala veut dire qu'il y a un jahannami pour gagner manger boire. Mais seulement, ce n'est pas un manger boire pour soulager, mais c'est un manger boire pour empirer notre souffrance. Un manger bois qui pour empirer notre détresse. Un manger et un bois qui pour empirer notre situation. Que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire La yadouquna fiha, je n'ai pas pour goutte dans sa l'enfer, barden, ni ban kit sauce qui rafraîchit je, wala sharaban, et ni ban la boisson qui pour veut dire teindre la soif. Illa hamiman wa ghassaqa. Excepté deux formes de la boisson qui je peux gagner. Alors ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire deux formes de la boisson, pas veut dire qu'il y a seulement deux petites choses qui je peux gagner pour boire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait envie de faire nous connaître qu'il y a deux petites choses qui ban jahannami pour gagner pour boire. Hamimen, c'est un de l'eau bouillante. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne un de ban, la boisson qui peut donner ban jahannami, c'est un de l'eau bouillante. Mais c'est pas n'importe qui de l'eau bouillante. Allah subhanahu wa ta'ala peut décrire sa de l'eau bouillante deux places du Coran, dans Surah Kahf et aussi dans Surah Ma'arij. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Tashwi al-wujuh. C'est une de l'eau bouillante qui brille figure.
Veut dire, ça de le bouillon, si tant l'isso, quand costelli la bouche, figure brille en lui. Veut dire qu'il brille sa figure par sa chaleur. Un autre, fatuqatra am'a'ahum. Surah Muhammad et Surah Kahf. Qui Allah subhanahu wa ta'ala fait une décrit à sa délo bouillante. Allah, sa délo bouillante qui vous donne sa bangla, comment vous costez la bouche si tant vous avez soif. Je ne pas attendre, pareil comme un dimon qui a soif, un dimon qui a faim. Quand un dimon n'est plus capable, il ne va pas le guérir ce pas de l'eau là. Quand il sortit, quand il gagne ça, robinet ça, il veut dire qu'il n'est plus capable, il est prêt pour mourir. Il veut dire vite, il boit lui. Pareil comme un dimon prêt pour mourir, il peut pas manger. Manger qui vient, comme un jour, ou bien quand il gagne, ce n'est pas un microbe là, il ne va pas vous guérir. Parce qu'il n'est plus capable de tenir. Ça va dire un ami, si tant vous avez soif, alors vous pouvez précipiter pour le boire ça de l'eau, mais. Quand je t'arrive, quand ça de l'eau, si tu es bouillante, comment je te coste la bouche, je te figure brûler. Et quand je bois ça de l'eau veut dire, les brille, veut dire, je te l'écho en dedans. Il brille, je te ban organe, les coupe, je te ban organe pour sa chaleur. Il hamiman wa rassaqa. Et rassaq, ici, ben moufassirid, il y a deux explications. Une explication, c'est que rassaq, c'est la boisson qui est tellement frais, qui lui cause un dégoût et aussi une souffrance. Pareil comment? Si un dimon fait l'expérience, veut dire qu'il boit une petite chose, soit après il boit glacé, ou bien il fait l'inverse. Veut dire qu'il endommage son organe, il fait une cause dito, il est enroué, ou bien il gagne du mal. Pareil comme ça même. Veut dire après sa nourriture, après ça, de l'eau qui bouillante, Allah subhanahu wa ta'ala pour donner le contraire, une fraîcheur qui pour endommage sur l'intérieur encore. Ça c'est un de bonnes commentaires qui va nous faciliter une fin de faire. Mais commentaire qui est plus populaire, c'est qui ressort ces bonnes déchets qui sortent depuis les corps du monde. Bonnes déchets qui sortent depuis les corps du monde. Quand du monde peut battre dans l'enfer. Quand du monde se dissipe et couler. Ensuite, bonnes les autres. Veut dire, ben les autres substances peuvent sortir d'IPI et aussi ben les autres, veut dire, les autres substances qui sortent quand on gagne du mal, on connaît. Veut dire, parfois 10 ans, après 10 ans, on gagne, ben, veut dire, ben, l'espèce d'élo sorti, ensuite d'IPI sorti. Alors ça, c'est tout ça là, Allah subhanahu wa ta'ala pour faire ramasser ça et pour vider ça dans la bouche. Alors ça, c'est une de bonnes formes de punition qui s'abandonne, torir, ben, qui ne dépasse la limite, pour gagner dans le Jahannam. Jaza'an wifaqa. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire ici, sa punition là, c'est une récompense équitable. Qui fait Allah subhanahu wa ta'ala finir équitable? C'est une récompense équitable, veut dire, Allah fin mesure zot ban désobéissance et pan donne zot un gramme en plus. Allah li pas donne un dimon punition plus qui li mérité. Veut dire c'est un dimon, il fait une coquin 100 roupies, un dimon une coquin 1000 roupies, tous les deux pour une punition, cette punition pas pour pareil. Un dimon qui vient faire 10 qualités désobéissance, et le talent vient faire 100 qualités désobéissance, chacun pour gagner par rapport à quantité désobéissance, gravité désobéissance, ni en plus ni en moins. Jaza an wifaqa, exactement, Allah le parfait. Alors il vous donne zot exactement, ni moins, mais ni plus. Ça c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait mentionner dans le Coran. Jaza'an wifaqa. Et aussi qui fait Allah subhanahu wa ta'ala peut dire équitable. Équitable par rapport à ce crime qu'ils ont fait faire sur la terre. Parce que si un dimon fin mérite l'enfer, pour l'éternité, c'est ça qui veut dire qu'il fin exagéré l'eau la terre, il fin transgresse ban limite qui dangereux. Parce que pour mettre un sens l'eau Allah, c'est pas une petite affaire ça. Si on a envie de comprendre, qui qualité grave, mettre sens l'eau du monde, mais l'eau la terre, vous vivez. Vous mettez un sens l'eau du monde, mais vous avez une prison ça. Vous mettez une fausse accusation l'eau du monde. Mais il y a autant du monde en calotte qui vous mettez une fausse accusation l'eau du monde. Ou de l'un de vous, vous avez la main ou vous avez aussi. Mais vous avez une fausse accusation, l'un de vous, vous avez été arrivé. Parce qu'une fausse accusation, c'est une chose qui, humainement parlant, nous-mêmes, nous connaissons grave ça. Il ne va pas permettre. Alors pour l'un de vous, mettre une fausse accusation, Allah qui vient de madame, il y a des enfants,
ou bien il est fatigué après 6 jours, il est fatigué après qu'il range la case, la terre et le ciel, il tombe sec. Il me vient reposer pendant samedi dimanche. Comment un chrétien dire, c'est une fausse accusation, c'est un blasphème. Allah subhanahu wa ta'ala offensé, dénigré par sa bonne parole. Pareil, comment peut dire Alain à TV, Allah subhanahu wa ta'ala, madame Alain donne naissance, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas tenu, Allah subhanahu wa ta'ala a besoin de secrétaire, parce qu'il n'y a pas pour connaître qui a un problème, il a besoin de secrétaire. Qui fait un besoin de secrétaire? Qui fait un ministre besoin de secrétaire? Parce que le ministre n'a pas compris, problème du monde, il n'a pas gagné tant que problème du monde. Le ministre n'est pas au courant qui passait en déroulé, il a besoin de secrétaire pour occuper tout ça du monde qui vient de guetter. Mais par contre, Allah subhanahu wa ta'ala a besoin de secrétaire. Alors, il y a des gens qui viennent mettre secrétaire pour Allah. Il y a un passeport secrétaire pour ne pas causer avec Allah. Il y a un passeport secrétaire pour demander à Allah. Ou bien il y a un chrétien qui vient causer mentir à Allah. Ou bien il y a des gens qui manquent de respect à la cause. Il y a une cause qui n'est pas bon vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala, surtout dans le moment de colère. Et il y a des gens même jour Allah bêtise. Ça va dire là, quand je transgresse ma limite, alors cette conséquence, c'est que Allah pour donner autres une punition équitable qui est égale à cette quantité ban et réel que je suis fait. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Là, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne sa ban punition qui pour donner autres là, c'est une punition équitable par rapport à ban et réel que je suis fait. Qui est réel sa ban? Mushrikin fin fiya ban kafir fin fiya numéro 1 Allah subhanahu wa ta'ala peut dire innahum kanu la yarjuna hisaba, je n'ai pas ti pe croire dans le jugement dernier, veut dire qui je n'ai pas ti croire dans la vie après la mort, je n'ai pas ti croire dans le jour du qiyama, parce que notre thème principal c'est quoi, surah amma yatasaloun, c'est la vie après la mort, c'est le jour du jugement. Alors parmi ban crime que je fais faire, je fais un rejet de sa croyance qui est très important dans la vie d'un djimoun pour amener l'instabilité d'un djimoun. C'est qu'il m'oblige à croire de même, il ne faut pas le rendre compte devant Allah ce qu'il m'a fait faire dans la terre. Il ne faut pas le raquer ce qu'il m'a fait faire dans la terre aujourd'hui. Ben crime m'a fait faire, ben désordre m'a fait faire, ben injustice qu'il m'a fait faire, de même il ne faut pas le joindre à Allah et pour un problème pour moi devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça va là. Je fin dénonce sa vérité. Je fin faire bouffon. Je fin rejette pour croire dans la vie après la mort. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Wa kadhabu bi ayatina kidhaba. Je fin complètement rejette ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit. Je veux dire, tout ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, je fais bouffon. Je veux dire, fausse. Tout ça fait fausse. Tout ce qui est dans le Coran, fausse. Et malheureusement, frère en islam, aujourd'hui, nous pouvons gagner une qualité race musulmane qui commence et n'a sa maladie là dans les cancers là. Il commence à réserver quelque chose qui est là dans le Coran. Surtout, ban qui a une petite connaissance anglais-français. Il commence à sentir les choses comme anglais, choses comme français. Quand il est dans la glace, il sent qu'il est très acteur-actrice. Quand il marche, il est très tel acteur. Il commence à gagner cet akhlaq aussi. Commence à gagner cet akhlaq. C'est que non, ça m'a pas d'accord, ça. M'a pas d'accord avec telles affaires, l'héritage dans l'islam, injustice vis-à-vis madame. M'a pas d'accord qu'il mette faire madame mettre un siphon dans son figure pour retarder. Faire ben du monde, comment dire, retarder dans la terre. Pas d'accord, siphon. Vous êtes libre. Une madame, vous êtes libre. Une madame, vous êtes capable, indépendante. Une madame, vous êtes pas dépendante de son métier. Ah ben, c'est en islam. Ou on veut connaître ce qui, ce raisonnement là, bon, elle a tout ça, ben, madame qui peut déclarer trop qu'on est là. Elle a tout halat aujourd'hui. Elle a tout halat. Est-ce que tu tenais la case? Est-ce qu'ils tenaient une dignité? Est-ce que tu tenais une tranquillité? Est-ce qu'ils tenaient l'honneur de la société? Zéro. Ils ont objet de plaisir. Ou bien, ils ont ban du monde qui servent pour gagner l'argent. Servent pour faire entertainment. Il n'y a aucune valeur. Il n'y a aucune valeur. Quand vous allez réaliser ça, ben, madame? Ça va une madame qui commence à tirer la zinzam avec sa bonne verset qui est dans le Coran. Quand vous avez réalisé, quand on dépasse 50 ans, assez qui tous aider c'est infini, assez de tous être isolés, tout seul dans votre coin, tout ça bêtise de une vieille, tout ça critique, assez là que je prends en compte trop tôt. Et là peut-être vous gagnez sens avec Allah, mais il y a beaucoup après l'amour que je t'ai réalisé, je t'ai. Fais attention, n'a pas pointé les doigts. Allah subhanahu wa ta'ala ni pointe les doigts sur le Coran ni pointe les doigts sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Innahum kanu la yarjuna hisaban
وكذبوا بآياتنا كذابا démenti ban verset Coran démenti parole Allah démenti parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam c'est en islam et frère en islam quand on pas comprendre ça fait pas dire les fausses quand on pas comprendre quelque chose pas dire les fausses quand l'esprit pas à la hauteur pour comprendre ça fait pas dire les fausses parce que le dunya on fin passer par ça ban moment parfois on tombe sec pendant 5-6 jours quand on oublie meilleur manger ou trouver à meilleur pas manger la caméra ou la bouche qui malade quand on trouve verset Coran pas normal pas verset là qui pas normal ou l'esprit qui pourrit ou l'esprit pourrit il est malade alors nous besoin être humble vis-à-vis nous-mêmes et vis-à-vis Allah quand on pas comprendre quelque chose mettre ça dans mon esprit clair c'est qui mon la tête n'a pas bon ou bien mon esprit est faible à cause ça, il n'est pas capable de comprendre. Pas vers ces courants-là qui n'est pas bon. Aujourd'hui, frère, en islam, on trouve beaucoup de monde faire une critique qui l'islam peut faire rétrograde ban madame. Peut faire les autres mettre l'aise, couvrir figure, couvrir l'écho. Ah ben, quand une madame a plus de sécurité, alors qu'est-ce qu'on s'y met? Alors qu'est-ce qu'on s'y met? Est-ce qu'il y a une madame qui vient mettre une linge islamique là au lit? Mais c'est mal obligé, vous avez comporté bien. Parce qu'il y a sa qualité, madame, là aussi. Il met un linge islamique, il comporte lui, comment? Un démon qui peine à digne dans lui. Mais normal, il peut subir certaines bonnes réactions qui pas plaisantes. Mais si une madame, il met son habillement bien, il peut pratiquer ce dîne bien quand il mange. Même ça, démon qui de désobéissance, en métier de désobéissance, il peut donner respect pour ça, démon. Lui qui est en sécurité. Combien de démon vous trouvez peut être abusé, peut être agressé sexuellement, l'ossimé? Qui fait ça? Qui fait seulement madame peut être agressée sexuellement l'osimé? Parce que vous n'êtes pas fini écoute parole Allah, vous êtes fini trouver parole Allah rétrograde, vous êtes fini vivre, vous êtes fini habiller comme vous êtes en vie. Subir conséquences de dunya avant que vous ne pas le subir, conséquences d'akhirat. Pareil comme ça même concernant l'héritage. N'étendez, n'étrabassez. N'étendez pas ici, n'étirez pas la bouche. N'étendez des paroles sur internet, n'étirez pas la bouche. Ayo, l'héritage en islam fait dominer par madame. Ah ben si vous comprenez Oudine, si vous faites un effort, un devoir, vous venez apprendre Oudine, si vous faites un effort, à le demander, n'a pas juste assisé, comprends Balaou, écoute en Balaou, comprends Balaou, où tu vas connaître qui dans l'islam, l'héritage, là, dans 6 possibilités, 5 possibilités dans l'avantage, madame. Si vous connaissez lire, si vous connaissez dire Allah, vous partez pour cause comme ça. Mais qu'arrivez, un, on n'a pas les apprendre. Deuxième, aux causes non-sens loi. Un, on n'a pas les apprendre et aux causes quelque chose qui n'a pas existé dans l'islam. Mais c'est aussi pareil. Aujourd'hui, nous trouvons un tamissier. Cause quelque chose qui n'a pas besoin concernant l'islam. Aujourd'hui, monsieur, vient contredire ce qu'Allah peut dire à Moïekat. Aïe, ça l'époque, là, pas à Moïekat. Pas qu'on n'est pas capable de Moïekat. Pas en paix halal, bin haram. Dieu, moi, n'est incapable. Ou bien Dieu m'a faible, Dieu m'a frêle, Dieu m'a peine à casse, Dieu m'a peine à la justice dans moi. Dieu m'a humble, ça, Dieu m'a pas reflète sa bonne condition. N'a pas vini mettre pointe les doigts. Allah subhanahu wa ta'ala, sa parole. Si un démon, il est satisfait de la condition qui besoin, il a sa capacité qui besoin, mentale, morale, akhlaq, aussi financier, aussi connaissance et aussi sécurité pour sa bonne madame. Mais qui fait nous besoin pointer les doigts à Allah subhanahu wa ta'ala. Vini dire, ben moi, je suis incapable. Elle est là qui? Elle est là, elle est juste. Mais vini me dire, non, rétrograde. Ou bien ça, l'époque là, non, l'époque caveman, qui s'est entré en moyen 4. Aujourd'hui, nous pas dans l'époque, mais dire, la cave. Vous ne pouvez pas vivre dans la cave aujourd'hui. Vous ne pouvez vivre dans la case d'étage. Non, il ne faudrait pas qu'il nous arrogant vis-à-vis Allah, vis-à-vis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous ne connaissons pas quelque chose, n'a pas dire fausse. Quand pas connaître quelque chose, n'a pas dit fausse. Et n'a beaucoup de monde dit non, bon Dieu, aïe, ça n'a pas causé parce qu'il n'a pas existé ça. Qui vient pas exister, frère? Qui vient pas exister? Mais on va trouver lui. Ah, mais ton roux, tu trouves lui, toi? Ton esprit, ton raisonnement, tu trouves lui, toi? Sa portable qui te servit là. Quand tu téléphones, il cause là. Ça va une wave, ça va une onde, là, tu trouves lui? Ça va l'image et le son qui peut passer là, tu trouves lui? Mais quand tu vas trouver lui fausse, il est vrai. Pas qu'il soit qui ne t'a pas trouvé, dire fausse. Pas qu'il soit qui ne t'a pas trouvé, mais dire fausse. Allah subhanahu wa ta'ala, il existe, il est vrai. Allah subhanahu wa ta'ala, il existe, il est vrai. Et Allah subhanahu wa ta'ala, nous le ciel, quand nous mourons, nous parlons de lui le jour du Qiyam.
وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. Et tout ce qui nous fait, Allah peut dire, وَكُلَّ شَيْءٍ tout ce qui nous fait, et tout qui te sauve, أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا, Allah fait une compilation en écrit. Tout qui te sauve, qui existe jusqu'à يَوْمُ الْقِيَامَةِ, Allah fait une compilation en écrit. Depuis qu'Allah fait créer la création, fait créer la plume, fait créer la terre et le ciel, jusqu'à يوم القيامة, tout qui te sauve, Allah fin compile ça qui se destiné, ce commencement et ce la fin en écrit. Hadith qui rapporté par un musulman, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire: Inna Allah kataba maqadir al-khala'iq qabla an yakhluq as-samawati wal-arda bi 50 alf sana. Qui Allah fin écrire tout ça qui peut arriver dans une créature avant qu'il y crée la terre et le ciel 50 000 ans avant. Kulla shay'in ahsaynahu kitaba. Allah fait une compilation en écrit bien avant, 50 000 ans avant création de la terre et le ciel. Dans l'autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: Awwala ma khalaq Allahu al-qalam. Premier qui chose qu'Allah fait créer, ou bien le moment qu'Allah fait créer la plume, fin diali, uktub, écrire. La plume fin diali, wa ma aktubu ya rab. Qui me peut écrire, oh mon rab? اكتب ما هو كائن الله فين جالي écrire tout ce qui peut arriver الى يوم القيامه. Alors Allah fin écrire, fin faire plume là, écrire tout ce qui peut arriver seconde par seconde, item par item, jusqu'à يوم القيامه. وكل في كتاب مبين. كل في كتاب مبين. Tout qui te sauve est dans le livre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وكل شيء احصيناه كتابا. Tout qui te sauve, Allah fin compilé en écrit. Tout ça qui nous peut faire bon et pas bon, Allah peut compiler. Et ça qui concerne nous, nous pouvons trouver le jour du Qiyama. Ma li hadha al-kitab la yugadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Ban kafir bujia, kete livre qui Allah fait mettre dans la main, la yugadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Peinant ses affaires ou bien gros affaires, excepté qui Allah fait finir et crier li, enregistrer li dans sa livre. Iqra kitab. Allah peut dire, lis ce livre, sur l'Isra, kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Suffit toi-même comme preuve contre toi-même le jour du Qiyama. Tout qui te sauve, Allah fait mettre en écrit. Pas pour une personne qui est capable de venir du jour du Qiyama, dire non, mais moi tu fais tel ibadat, tu as une cassette, pas de mettre, pas d'enregistrer. Ou bien moi tu fais tel PC, mais il y en a là-dedans. Tout qui te sauve exactement, Allah subhanahu wa ta'ala fait une record, fait une faire 11 record, et la plume fait une record dans la grande, sa grand livre. Qui fait une réservée dans les secrets absolus auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.